c'est bon, va Dieu, c'est bon. Chair de poule. C'est de la musique classique. C'est le nom, ça va, musique classique. Oh. C'est connu, hein. Musique classique, c'est connu, hein. Tu connais pas? Enfin, c'est connu par des initiés comme moi. Moi, la musique classique, c'est simple. Ça me fait faire des rides ici, là. Mais regarde. T'as vu des rides, là? Vous aussi, à normal, hein. Ah, musique classique. Avant, je trouvais ça con, le piano. Prendre de la place et de la poussière, saloperie de meubles. Et depuis que je fais de la musique classique avec, j'arrête de shooter dedans. Hein. Non, parce que avant d'apprendre, à peine je passais à côté. Coup de tatane. Pour un oui, pour un non, hein, coup de tatane. Maintenant fini, plus de coup de tatane. Non. Même avec les doigts, je fais doucement. Non, mais il faut pas shooter dans un piano, ben, ça désaccorde. Ouais, c'est mon prof qui m'a dit désaccorder. Professeur de piano, s'il vous plaît. Yuri Magdagleveni. Yuri Magdagleveni. Yuri Magdagleveni. Enfin, communiste, quoi. Un grand pianiste, hein, Yuri. Grand pianiste à qui le gouvernement de son pays a coupé les deux bras. Pour une histoire de chèque sans provision. Il m'a dit que c'est pour ça qu'il joue plus, Yuri. Hein. À cause des bras, il est écœuré, il n'a plus envie. Hein. Ils ont fini par l'écœurer. Ils préfèrent donner des cours maintenant, surtout à moi. Regarde, on peut le faire là aussi. Écoute. C'est son père. Hein. T'es le fils, il dit. Et le père, il répond. L'art de la musique classique, c'est... Mais non, pour les rythmes, mais non. Tu vas rentrer en Twingo, toi. Mais non, c'est qu'il n'y a pas de parole. La musique classique, il n'y a pas de parole. C'est que des ronds. C'est tout con, hein. C'est con comme la lune, hein. Regarde. C'est des ronds avec des petites queues, pas des petites queues, mais des ronds, quoi. Des ronds. Et qui c'est qui a fait les ronds? C'est Mozart. Mozart, champion des ronds, hein. Il est connu, Mozart, hein. Attends, Mozart, il est connu, hein, tu connais pas? Mozart, heureusement qu'il n'a pas fait garagiste, hein. Mozart, toute sa vie, il n'a fait que des ronds. Qui dit, hey, Mozart, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Fais des ronds! Et demain après-midi, tu veux pas venir? Non, fais des ronds! Et la semaine prochaine, tu ne fais pas des ronds, Bernard? Comment tu fais? Je sais pas, j'ai deviné, hein, toute sa vie, il n'a fait que des ronds, Mozart, il fait des ronds, des milliards de cahiers de ronds à Mozart, et du coup, à force de faire des ronds, il a oublié d'en remplir. Il y en a qui sont blancs à l'intérieur. Regarde. Ouais, c'est moi qui ai vu, hein. Regarde, il y en a plein, il y en a oublié plein. Regarde. Du coup, je suis obligé de passer derrière lui avec un marqueur. Bah, pour l'aider, hein. Pour aider Mozart, hein. Pour aider copain Mozart, hein. D'ailleurs, enfin, on les reconnaît, les miens. Ça déborde et tout. Ah bah, je suis pas Mozart, hein. Je suis garagiste, hein. Regarde, ça c'est des ronds à Mozart. Lui, il est fait impeccable, hein, ces ronds, impeccable. Quand il n'a pas oublié de les remplir, à main levée, comme ça, pout, impeccable, pout, tous pareils. Après, il fait des petites queues, comme ça, il les rattache avec une petite barre, comme ça. Il fait une petite famille de ronds, hein. Papa rond, maman rond, bébé rond, tata rond, tonton rond. Regarde, moi, j'ai essayé de faire une famille, regarde, là. Ben, je suis garagiste, hein, je suis pas Mozart, hein. Mais enfin, bon, je fais tous ces cahiers, hein. Maintenant, je vais même dans les magasins, ça gueule, mais je m'en fous, hein.